Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 4 décembre. Il est 9h59 du matin. Oh. Bon, hier je vous ai clôturé le vlog, il était déjà minuit, une heure, je sais plus exactement. Ensuite je suis allé bosser sur le vlog. Bon, il restait plus grand chose à monter, ça va, ça a été assez vite. Et après, dodo Laura s'est endormie très vite. Moi aussi, mais je me suis réveillé à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h. Infernal. Infernal. Je me suis réveillé toutes les heures, comme enfin, ça fait quelques semaines, depuis le début des travaux presque, hein, que je me réveille tout le temps. Je m'endors très vite, mais je me réveille tout le temps. Donc, c'est pas vraiment reposant cette affaire. Donc là, je me suis levé à 8h, ouais, définitivement 8h, 8h30, quelque chose comme ça, et je suis allé bosser sur le PC, je vous ai monté la facecam pour aujourd'hui. Putain, le volet, il s'est pas ouvert complètement. Voilà. Monté la facecam pour aujourd'hui, notre replay de live. J'ai aussi bossé sur le PC sur d'autres choses et tout. Et puis après, bah, j'ai levé les enfants, parce qu'ils venaient de se réveiller. Oh, ils se sont réveillés vers 9h, 9h15, ils sont couchés tard hier. Le petit déj, Sylvie et Cédric sont levés aussi. Tout le monde est en train de déjeuner et tout. Enfin, il y a juste Laura et Malone qui sont encore en train de dormir. Et là, du coup, levé, j'ai pris ma douche. Là, les enfants sont en train de faire leurs devoirs. Priorité tout de suite de faire les devoirs. Et puis après, ils vont jouer, console, machin et tout ça, comme d'habitude. Faut que je fasse une soupe maison aujourd'hui parce qu'on avait récupéré des légumes de ma mère, mais là, faut que je fasse en soupe. Donc, je vais lancer le compagnon tout à l'heure, comme ça, au moins, il tombe tout seul et puis ça lance la soupe. Et puis, merci, au revoir. Ce matin, rien de prévu d'exceptionnel ou autre. Juste en début d'après-midi, alors Cédric et Sylvie, ils ont pas d'heure pour rentrer et tout, donc pour l'instant, ils sont ici. Il y a Davy, donc un ami de Laura, qui vient à la maison en début d'après-midi pour poser une guirlande de 50 mètres sur la toiture de la maison. Bon, ayant le vertige, c'est pas moi qui vais le faire, sinon moi je reste coincé en haut. Donc lui, il s'est proposé pour venir la poser. Il était déjà venu la semaine dernière pour voir la faisabilité de la pose. On l'a reçu hier, la guirlande, je l'avais commandée il y a quelques jours. Et du coup, là, il va poser cette guirlande sur la toiture. Vous voyez? Là-dessus, sur le bois. C'est une guirlande blanc-bleu, comme ça, de 50 mètres. On en mettra d'autres, mais là, tout de suite, c'est celle-là qui est la plus compliquée à poser. Là, c'est chaud, hein, je vais pas te mentir. Elle va être compliquée à poser, celle-là. Pff, moi qui ai le vertige, en plus, ça va me foutre les jetons. On a lavé les draps de Théo, il va falloir lui changer, lui mettre ses nouveaux draps tout jolis, là, astronautes et tout ça. Faire un petit peu de rangement dans les chambres, oui, ça serait bien quand même, un petit peu de rangement, là, il y a besoin. J'ai déjà rangé toute la cuisine ce matin, j'ai vidé la vaisselle, lancé de la vaisselle, j'ai rangé la table à salle à manger qu'on n'avait pas rangé hier soir. Donc j'ai quand même avancé là-dessus et tout. Donc voilà, il y a un petit peu de ménage, un peu de rangement, la pose de la guirlande. Et puis après, ce soir, j'ai montage du vlog, montage de tournage du live. Donc le rythme un petit peu anormal, je vais pas te mentir. Et c'est l'anniversaire de Nini aujourd'hui, c'est le 4 décembre. Donc c'est l'anniversaire de ma mère, elle a 60 ans. Donc là les enfants sont au téléphone avec elle pour lui souhaiter bon anniversaire. À mon avis ça va lui faire plaisir. Et on va voir si on a... C'est bon, t'as lu tes devoirs? Ok. J'ai accroché ça là parce que j'ai vu une chaussette de Noël. Oui, j'ai vu la chaussette de Noël, ouais. On verra aujourd'hui si on bouge tes meubles, mais là c'est pas rangé, donc ça va être compliqué de bouger tes meubles. Hein. Bah là c'est les couvertures, mais tu les vois. Oui, mais bon. C'est que quand je suis malade, donc je vais aller... Faut que ça soit rangé quand même un minimum. 60 ans. Ouais. Je suis vieille. Oh non, t'es pas vieille. Mais elle dit qu'elle est vieille. Chut, parle doucement. 60 ans. Théo, il est où? Je sais rien où il est, Théo, il est pas en bas. Il est en bas. Il est en bas, Théo, ouais. Et on a des choses à descendre aussi avec Malone, le sommier, de toute façon la structure de lit qui est encore dans la salle de jeu, on va la descendre dans la véranda comme ça au moins, c'est fait. Et je pourrais l'amener à Alain, du coup, dès que possible. Elle est malade, elle se comprend. Ouais, je sais, j'ai vu sur internet. Oh. Moi aussi. Attends, c'est toi, t'es malade pile à ton anniversaire. Ouais. Ouais, il y a encore des trucs à ranger là. Hier, j'avais rangé mon bureau, c'était déjà bien. Et là, voilà, il y a la structure et tout à enlever. Et le parquet aussi à monter. Hein? Non, tu attendras pour ta Switch. Non mais, vous me pressez, t'sais. Ouf quoi. Donc voilà. La semaine prochaine, on reçoit le bureau et l'étagère de Léo. Il sera content.
Il aura ses petites affaires. Il a refait son lit, c'est bien. C'est bueno. Bon, allez, on y va pour le rite de la journée. Bon les amis, il est actuellement 10h43, je viens de lancer la soupe du coup à cuire, nickel, un peu de rangement encore, et là il y a Sylvie et Laura vont partir en début d'après-midi chez Jiffy pour acheter des guirlandes de Noël, et Davy vient en début d'après-midi pour poser la guirlande, un gros de 50 mètres là, et Laura a dit je veux pas voir ça, ça lui fait trop peur. Et du coup, elle dit, ah, viens Sylvie, on va chez Jiffy en attendant. Du coup, avec Cédric, on assistera Davy pour la pose de la guirlande et tout ça. On verra bien ce que ça donne. Ça va être chaud. Pourquoi pas? Pour Noël? Pour mettre les décos de Noël, lui? Ah, avec un Cédric? Non, c'est Davy qui vient. Oh la vache! Vous croyez que c'était Cédric et Vanessa? Moi j'ai un bleu, j'ai une belle là, c'est ça. Puis là on va devoir descendre ça avec Malone quand il sera réveillé. Oui, je te suis. Ça sera bien. Hop, j'aime bien Libby. Je lui dis, mets ta facture de cantine sur mon bureau. Voilà. Jeter sur le bureau. Bref, ça va, on avance. Tranquille, à notre rythme, pépère. Non, ouais, je vais lui dire. Les amis, préparation de la nouvelle couette de Théo. Astronaute. Je suis content, finalement. Tu vois, c'est vraiment qu'il a celle-là. Non, c'est celle de Malone. Ouais. Non, mais. Il est en bas, faut qu'il monte, comme c'est vraiment. Ça mais sur mon bureau, hein. C'est, plus, c'est plus utile pour nous. Ouais. Tu veux pas voir l'installation de la guirlande alors? Non. Trop peur. Bah c'est bien Cédric, il est là. Il faut pas être là. Bah après il est confiant en Davy, hein. Oui, sinon non, il aurait pas dit oui. C'est ce qu'il fait, mais moi ça me fait trop peur. Ça je suis pas. Je veux pas rentrer. Ouais, ça va être joli. Oui. Je préfère rentrer ce soir, c'est stressant. Comme les travaux. Je préfère rentrer et voir que c'est fait. Mais il faut que j'arrive pour enlever les... Oui, mais je vais l'appeler là, je vais lui dire. Il a fait son décor avec et tout. Qui mettent sur le côté, mais qui garde pas tout là. Théo T-H-O. Et Chloé, c'est pareil, là. Yes.
cette chambre, elle laisse son bordel dans la chambre quand même. Bah voyons. Sérieux, Libby. Sa nouvelle couette, il va ranger un bon coup sa chambre. Il l'a voulu déjà hier, mais bon. Voilà. Quoi t'as trop d'autre? Libby! Elle est dans sa chambre, elle joue avec sa console. Oui. Ah! Et bon, nouvelle couette de Théo installée. Et bien on va ranger tout ça. Hop là. Théo, tu vas ranger ta chambre s'il te plaît correctement. Théo, tu vas ranger ta chambre, je t'ai mis ton drap, tu fais ton lit correctement, tu ranges ta chambre, tes jouets, tout ça, et les stylos c'est pas dans la chambre. Dépêche-toi, allez. Dépêche-toi, oui mais non, pas de stylo dans la chambre, tu rigoles ou quoi? Oh les amis. Oh la vache, elle a cassé la porte. Tu vois, ça fait haut quand même. Hein. Bon, oui, la route qui penche. Bon, il a dit que ça irait. Oh bordel, moi je vais tenir l'échelle comme ça. Je veux pas voir. Hein, tu tiens l'échelle, moi je tiens au rouleau. C'est bon. Oh bordel. Il faut bien qu'il suive avec le rouleau. Bah oui. Alors la clôture, la fameuse. Bah oui, regarde. Bah écoute, ça fait son job. Oui, ça fait son job, on est d'accord. Voilà, après. Ouais. Et puis on a fait des... Ah ça c'est... Ouais. Ah ça va, au moins c'est clôturé. Bon, on va changer les pneus de la voiture de Laura parce qu'ils annoncent de la neige la semaine prochaine. Et c'est pas la dernière minute qu'il va falloir le faire parce qu'elle va rester au boulot, elle va me dire je sors plus, je roule plus. Ouais grave. Bah je vais la reculer. Sauf faut sortir la DS aussi du coup. Parce que le jeune il bosse pas aujourd'hui donc il va peut-être sortir sa caisse à lui. Ouais. Oh putain, tu t'es mis comme ça. Oh la vache. Rien à foutre. Il ne voyait pas clair. Non, je vais bouger ça et sortir la DS. Je vais mettre la 3 là. Puis si le jeune il a besoin, on la bougera et puis c'est tout. Oh la vache. Wow, ouais, il a dû les serrer comme un bourrin. C'est trop serré. Il manque dans la clé là. Oh putain! Et bon, tu peux monter. Et ben. Et ça m'a fait chier le bonhomme. Hein. Ouais. Quoi? Un endroit spécial normalement? Ouais, il y a un point d'ancrage normalement. Ouais. Mais elle est basse quoi! Ouais, c'est bon, je l'ai. Sur la mienne, t'as une espèce de truc. En dessous, tu sais, plus à l'endroit où tu dois machin, tu le sais qu'il vient pas bien. Ah, tu vois mon doigt spécial. Ouais. Il a sauté sur la DS. J'ai trop levé, il a glissé, il a sauté, le pneu sous le doigt. Ça fait vache. Mais bon, je bourrinais comme un cinglé pour enlever les cales aussi. Putain, il met le temps à la montée. Putain, il monte l'arrière en premier. Presque au max là. Eh vache. Eh bah je suis max. Merde. Il touche encore le sol. C'est le problème, si c'est que l'autre il est à peine plus grand. C'est bien, on peut faire les deux en même temps. Les avant arrière. Parce que l'arrière il touche plus. Ouais mais bon, pour la desserrer, on va être un peu carotte là. C'est mort maintenant, ouais. C'est bon, bon normalement. Bordel, hey, les branquignoles quoi. Bon, c'est lequel l'avant droit, l'avant gauche? Ah, ça. C'est au pif? C'est à toi de voir. Hein. Bah, la bande de roulement, c'est dans quel sens? Bah, normalement, t'as un sens, t'as pas un sens sur le. Vraiment, c'est du directionnel, hein. Donc normalement, directionnel. Normalement, t'as une flèche, hein. T'as pas un sens quelque part. Rotation. Bah, ouais. C'est comme ça, donc c'est dans ce sens-là. Donc celle-là, c'est l'avant droite, l'avant gauche. L'avant droite, pardon.
Ça va, ça part? Oui. C'est pas belle ces jantes d'origine. Ouais. C'est vrai que moi j'aime bien les jantes d'origine. Après ça dépend lesquelles. Celles-là sont pas ouf, je trouve. T'aimes bien toi? Pas trop. Non. C'est du combien? 17? Bon, avec le truc là, du coup, ça fait un peu plus beau. Avec, c'est du 17 que t'as toi? Ouais. Ta gueule, toi! Bien? Peut-être une chandelle! Au cas où? Bah, si là elle tombe sur le disque, ça va pas embêter quand même. Bon, je te laisse faire. Yes. Passe pas la chandelle. Combien? Non, on passe pas. Bon, on va faire doucement. Ouais. Ça. Hop. Ah putain, en plus c'est. Ah, c'est pas le même. Ah, c'est centrage de merde là. Centrage de merde. Bah, en fait, c'est pas comme la DS où il y a les petits rebords pour la centrer. Oh putain. Ouais, c'est bon. Un petit peu. Voilà, ça. Ah, ouais, d'accord. Aïe, mon doigt. Ah. C'est bon. Je te tiens. Oh merde, j'ai tout de suite pris l'antilo. T'as pris le plus chiant, t'es en premier. T'es. C'était quelle taille? 17 ou... 17, ouais. On sert le jack et go, non? Sans le... Mets la douille, prends la douille. Fais, voilà. Ah, c'est le 15 alors. 17 et 19, non? Non, c'est 15 et 17, je crois. 17 et 19. Ah ouais? 17 et 19, ah oui, celle-là, là, ça je peux lâcher. C'est froid. Oui. On n'a pas de gants. J'ai pas pu acheter mes gants hier. Il n'y a pas la taille. Ouais, ça va. Voilà. Et une jante. Une. Le démarrage de la DS, le patron assez vite. Il me dit un nouveau pot sur l'Audi. Oh putain, si le diesel il fait ce bruit là, c'est pas mal. C'est une DS3 déjà. Puis le cul de l'Audi ressemble pas vraiment à ça. Descendre et serrer complètement. Je ne vais pas du tout descendre d'une manière. Ah ouais? Ah, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui pète. Vas-y, c'est un peu. On va descendre complet. Déplie la clé. Ouais, mais de toute façon, je vais me mettre debout de toute façon. Ah, c'est pas une dynamométrique. Hein. C'est un artisère avec la clé dynamométrique. Ouais, normalement, t'as un certain couple. Normalement, ouais, ouais. Normalement, faut pas insister trop de toute façon. De toute façon, avec une clé comme ça, c'est... Voilà. Et de une. Et une. Ouh. Et du coup, tu veux pas faire celle-là?
pendant que... Si, comme ça, on la relève juste un petit peu, ouais. Parce que là, elle est posée, je crois. Ouais. C'est bon, il neige pas, mais là, c'est pas quand il va neiger qu'elle sera au boulot en disant « Putain, il neige, j'ai pas mis de neige !» Il commence à neiger, t'es là, sous la neige, en train de mettre les... Ça fait moins bien, quoi. Grave. Donc c'est bon, les jantes neige, pneus neige, neuf en plus, ces pneus neige, sont posées, je me suis niqué la main. Comme d'hab, à chaque fois je bricole, faudra juste les regonfler un coup, donc quand elles partiront tout à l'heure au Jiffy, elles s'arrêteront là. J'ai le compresseur qui est là, petit coup de gonflage, et puis ça sera bon. Oh, putain. Puis c'est ça, c'est après, moi. Moi je ferme les yeux. Si t'entends... Ah, moi je regarde pas, hein. Bon, les amis, nous avons mangé, les enfants ont mangé. Davy, il écrit à l'oreille, il dit il pleut pas. Non, il pleut pas. En même temps, elle est pas sortie de la maison aujourd'hui. Hein. Mais en fait, pour quand même, on s'est regardé par la fenêtre. Hein. Non, hey, j'ai même demandé à Sylvie. Oui, dit, on a même dit, on a changé les pneus de la 3 ce matin, on a mis les pneus neige, on a même dit heureusement qu'on l'a fait ce matin. Ah, tu vas pas tout de suite. Hein. Elle veut partir avant, elle veut pas devoir monter. Je veux pas voir. Depuis ce matin, j'arrête pas de stresser, je dis vas-y, je vais partir. Rassurant. Hein. C'est de la pluie qui mouille. Comment t'as mis ta bagnole mais tu veux pas monter sur le terrain tant que t'y es ? Bah en 4x4. Bah c'est pas un 4x4. Ah bon ? C'est une C4 4 roues motrices. Bon viens, on va te montrer les guirlandes. Ah oui, je suis trop lol. Bon les amis, il est actuellement 14h45, Cédric il se met devant le poêle. Oh putain. Il se prend dans les Vosges. Où ? Dans les Vosges. Bon, on est dans les Vosges. Allez, il a froid. Justement. Alors du coup, je vais vous montrer notre belle guirlande d'extérieur, du coup. C'était chaud, hein. Wesh. Voilà, regardez. Il rempoite son pare-choc. Il a dépoté. Voilà. Ah mais attendez, elle est pas allumée, regardez. Voilà. Non, en fait, l'échelle est trop petite. L'échelle est trop petite et en plus, il pleut. Donc il revient samedi prochain et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la... On va la mettre de là à là, du coup, mais elle sera pas sur le haut toit. Elle sera en dessous de la fenêtre des ados, du coup, pour que ça passe mieux. Il y a de l'herbe en dessous, c'est normal ? Il y a un peu décroché, c'est normal. Ah bah merde ! Oui. 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 C'est des clips en plastique, non ? Ça va pas tomber quand tu roules, au moins ? On verra bien. Ce qu'il est... Je m'arrête pour la plaque, je la reprends, mais le reste... Il est monté dans l'herbe là-bas pour se garer, bordel. Oh putain. Donc il revient samedi prochain à 10h. Ouais, ouais. Il revient samedi prochain. Bah, allez, tu vois la trace de roue là dans l'herbe qui monte quand même pas mal. Bah c'est lui la semaine dernière. Ah ouais. Vu que mon père était là, il est passé à côté. Hop, la voiture était comme ça. Il était là. Ah ça va, ça va, ouais. Théo, il a dit que demain c'est férié. Pas du tout. Ah non, demain c'est pas férié. Non. Non. Donc du coup bah il revient samedi prochain pour poser, mais du coup d'une manière différente, juste un peu moins haut et tout ça. Ça ira. Non. Pourquoi ? Je sais pas. Tu seras pas là, de toute façon, tu t'en fous. Ouais, voilà. Malone, il veut même pas être là quand on me fait le sapin. J'ai pas dit ça. Un peu. Un peu. Mais comme ça, j'aurai la surprise, c'est mieux. Et on a aussi branché l'ordinateur sur la voiture de Cédric, son Audi. Le VCDS. Hein ? Pour faire plein de modifs et tout, mettre les aiguilles comme moi et tout. Et en fait, non, parce qu'avant 2008, c'est pas possible. On a réussi à enlever l'entretien périodique. C'est déjà bien. Et on a essayé à regarder aussi l'historique de la voiture. Le kilométrage n'est pas trafiqué. Enfin bref. Et là, je suis en train de formater le PC du coup de... C'est de... Sérieux ? Sylvie. Et c'est à 32% depuis 2 heures. J'ai rien fait du tout. J'ai fait ça et j'ai pas compris les murs. Non, j'ai fait ça. Malheur en pleine action. Mais arrête. C'était un piège, ça.
Là, je devrais être en train de faire un commentaire de texte, non, je te signale, non. Mais arrête, depuis tout à l'heure, il m'a aidé, c'est lui qui m'a montré la taille qu'il fallait faire. J'imagine bien que c'est pas toi qui fais le prisme. Mais non, mais à chaque fois j'allais voir, je lui dis la taille c'est bon, il dit 2 cm de plus, après il dit... Mais non, je lui dis 1 cm, je lui dis 1 cm de moi, et là elle enlève 2 cm, moi, et... Des problèmes psychomoteurs, hein, ma piote, hein. 76 par 67. Oh, je vais faire 77 par 68, comme ça, moi, je suis sûr. Puis après, je me trouve avec 2 cm de trop. Bah, c'est logique. Ah. Pas encore. Pourquoi tu filmes comme ça? Il est 15h05, je filme quoi, talent de création artistique. Mais... Oh, laisse-moi tranquille un peu, non? Mais je me demande si elle était pas trop... Oui, mais toi, t'aurais fait ça nul. Tu vois les chocolats en triangle, là? Il y en a, ils ont fait ça. Toblerone. Oui, elles ont fait ça. Toi, juste, au début, sais... je voulais faire ça, mais en fait... Je sais pas c'est quoi le talent, de rien. C'est pas trop long. Oh, ah oh! Je t'emballe dans un papier exactement comme il faut et puis c'est bon. J'ai perdu le bout de scotch. J'avais pas trouvé de papier carotte. Mais... Il est tombé le bout de scotch. T'as pas du papier canson? Hein? T'as pas du papier canson pour t'acheter à la rentrée? C'est quoi du papier canson? Ah, bah, non. Du papier canson? Papier cartonné. Du papier canson. On avait dans ton sac à la rentrée. On a cité sur liste. Allez, malade! Oui, bah ça y est, en plus ton scotch tout nu, il colle pas, ça m'énerve. Trop BG. Ouais. Trop magnifique. Ok, c'est bon. Étape numéro 2. Étape numéro 156. Ne pas casser le prisme. Parce que là, ça me tend là. Ah, je suis tendu. Ok, il a craqué. Et là, elle va foutre dans le sac comme ça pour aller à l'école. 40. Il a craqué les ailes. 40. Et du coup, c'est le passé qui? Sylvie, à Cédric. Non. Sylvie. Il est toujours en train de savoir à qui c'est le PC. Ah, qui en a fait l'acquisition financière? C'est lui. C'est toi? Ah, ça date. Oui, on l'a dit, hein. 2013, donc oui. Ça date. Ah, c'est Cédric. Ça doit qu'il est pas d'aujourd'hui, le PC. Bah, c'est à toi, Cédric, le. Ouais, les études. C'est bon, t'as réussi? Non! Il reste. Est-ce que j'ai l'air d'avoir réussi? Il reste à bout. T'as l'air d'un drogué clodo déjà. Oui, mais. Ah. Oh. Je t'en kikine, hein. Un peu. Mais Vigre! Tu sais que Vigre aussi, ça existe. Bah oui. Oh vache. Non! Non! Iris, elle dit pétard pour dire. Bah oui, c'est bien. Et pour dire le gros mot, elle dit mercredi. Bah oui. Je dis non, ça c'est une série, c'est pas pareil. Non, tu dis mince et flûte. Flûte, zut, zut. Ah. Oh bah flûte. J'ai marché sur le hérisson. Quel dommage. Sur le hérisson. C'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Mais... C'est pas un peu droit. Si. Vas-y. On a tapé sur Google, d'accord? Non, on a regardé dans Talson. Parce qu'il y avait. Non, parce qu'il y avait écrit dans Talson. Il est 15h06. Sur Google, c'était pour montrer parce que t'avais pas compris. Oui. On presque a fini. T'as fini? Presque. 15h. T'as fini? Ah, je mets des droits, je te jure. T'as fini? Ouais. Les frites, elles sont prêtes. Les frites. Ah oh, maintenant le scotch il est collé sur le ciseau là. Ah bravo, il a tout foiré. Mais oh. Pourquoi tu fais ce genre de choses, regarde? C'est quoi ton but? Tu parles comme ta mère. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? C'est trop drôle. C'est Laura Junior. Tu te crois drôle en fait. C'est grossier comme tu fais ça. Mais c'est toi qui grossier. Oui, absolument. Parce que t'aurais fait mieux peut-être. Oui. Je pense non. Que tu l'aurais écrasé avec tes gros doigts. Si. Bon après vous avez à peu près la même taille de doigts. Sauf que madame il est un peu à peine. C'est juste que moi je suis trop fort, voilà. Non, il a trop créatif. C'est toi qui as les doigts tordus. Un peu tordu. Trop créatif. Oh, et en plus le scotch il colle pas là, ça m'énerve. C'est fini? Non, c'est pas fini.
Non, je l'ai aplati. Chier. Il a foiré ton truc, hein. Tu le refais. D'ailleurs, tu pourrais ajouter. Les portes auraient dû les faire plus larges. Ah. C'est bon. Oui. Attends, je regarde si c'est résistant. C'est pas un prisme droit, hein. Mais non. C'est résistant. C'est pas un prisme droit, hein. Si, c'est un prisme droit. Ben si. Si. C'est pas une base de triangle isocèle, le prisme droit. Non. Il est aplati. Ah bah ça platit, c'est que ça résiste pas, c'était pas si bien fait. Un prisme. Bon, je vais le mettre au fond de mon sac. Un prisme droit, c'est une forme de qui a deux bases polygonales. Super, ça se dit pas. Polygonales. Enfin, les deux bases c'est des polygones superposables et les côtés, enfin les côtés, c'est des rectangles. Big brain. Big brain. Ouais. Et moi je vais faire mon commentaire de texte. Ce serait bien vrai. Ouais. J'ai pas envie. Et Cédric devant le feu. Il va se rallumer, t'inquiète. Il en reste. Va faire ton commentaire. Non. Pas envie. Mais j'ai déjà fait une partie, regarde, c'est tout ça. Tout ça. Avec 50 photos, c'est pas la fin. Mais c'est un brouillon, c'est le brouillon du brouillon. En fait, je dois rendre le brouillon. Et ça, c'est le brouillon du brouillon, du coup. La catharsis et tout. Bon les amis, je suis actuellement avec Cédric, il est actuellement 16h37, nous sommes partis. C'est pas ça. On est partis racheter les escargots parce que je voulais acheter 22 douzaines pour Noël, Nouvel An et ma consommation personnelle. Et le mec hier, j'ai tout vidé. Et je lui ai dit je reviens demain. Et j'avais oublié, c'est Sylvie qui a dit ah, tu devais pas aller chercher les escargots. Je dis oh putain oui. Et du coup bah on y allait avec Cédric. Je suis arrivé et je lui ai tout vidé. Et j'en ai 22. Voilà, je lui ai tout pris, il a dit je vais faire quoi moi maintenant jusqu'à ce soir. Il restait juste de la terrine. Après on a dit bah tant mieux pour lui, il les a vendus quoi. Mais il avait dit qu'il en avait pris plus en plus hein. Ouais. Il a dit j'en avais repris en plus hein. 10 douzaines de plus je crois, il avait dit non, je sais plus. Non. Non c'est moi qui avais demandé 10. J'en ai eu 8. 8 ? Non, 6. Non 8, 8. 8 et 14e. Ouais, ça m'en fait 22. Ouais. Ah là là. Et j'ai pris pour Laura aussi un petit bracelet de lithothérapie pour les douleurs diverses et variées. Et puis là, bon, on arrive à la maison. Bah, vous allez pas tarder, vous, 16h38. Ah ouais, je pense. Ouais. Et puis, bah, guirlande la semaine prochaine. Bah, ils sont allés chez Jiffy avec Sylvie. Moins 50% sur les décos de Noël, mais il n'y avait rien. Enfin, il y avait, mais pas ce qu'elle voulait. Donc, on va commander sur Amazon, parce qu'on va mettre sur toutes les fenêtres des lumières extérieures. Donc, on va regarder ça sur Internet, et puis voilà. Hein. Oh là 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 là, il y a de l'orage. Par contre, la neige, elle guette. Hein. 1 degré, il fait là. Hein. Je dis, prenez le tunnel, ah ouais. Hein, parce que si vous montez le col de Sainte-Marie, à mon avis, ça tombe là-bas. Ouais. Surtout que t'as pas les neiges encore. Non. Ouais, bon. Ça va aller, j'espère que demain il neigera pas trop, parce que maman, elle va être paniquée. Hein. Même avec les pneus de neige. On verra bien. On verra. Moi, j'ai hâte qu'il neige pour la DS. On va faire des petits drifts avec elle. Bah tant qu'il n'y a pas trop de couple, ça va. Bon, je sais que cette batterie va couper. Donc c'est juste pour vous dire, on est rentré. Je vais changer la batterie, je vais charger les fichiers. Et après, je vais redescendre pour faire du rangement et tout. C'est quoi ce bordel, là? C'est quoi, tu as pas fait ça? Ben non, c'est mon bureau. S'il vous plaît. T'as un bureau dans ta chambre, en plus, c'est Chloé. Hein. Et ça, c'est... Oui, mais t'as un bureau dans ta chambre, Chloé. Oui, mais... Bah, vous n'avez pas de 8 mai? Un bureau. Hop, allez, charger les fichiers, changer la batterie. Bah là, c'était pas du jeu, c'était du dessin que tu faisais. Allez, go. Bon, les amis, il est actuellement 19h. Je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Et là, je suis en train juste de retoucher parce que je vous ai mis en gratuit, du coup, ce YouTube de Ghost and Us. Je vous ai mis la dernière enquête chez Stevie, qui dure 2h20. Et là, j'ai... quelqu'un qui a commenté en disant ah, il y a encore plus de pubs que sur TF1. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, quand je lance la nouvelle enquête, c'est YouTube qui définit automatiquement les intervalles entre chaque pub. Et moi, je mets sur Ghostana, je mets tous les 10 minutes une pub. Ça va, tous les 10 minutes, tu vois. Et là, le truc, c'est que quand je laisse YouTube faire, il en met une toutes les 3 minutes, quoi. Il en met trop de blindés, les pubs, et du coup, il y en a beaucoup trop. Donc là, j'ai tout effacé, je suis en train de remettre. Le problème, c'est qu'il y a déjà 3000 vues dessus. Donc j'avais pas prévu ça, donc excusez-moi aux gens qui ont eu beaucoup de pubs. Faut que j'y pense à chaque fois que je mets en ligne une enquête, une nouvelle enquête,
que YouTube met beaucoup trop de pubs. Donc là c'est bon, je viens de faire la modif, c'est nickel. Hop. Perfect. Et là il faut que je regarde avec Geoffrey, on va faire une nouvelle enquête la semaine prochaine. Il faut qu'on se voit la semaine prochaine. Là il va mieux au niveau de maladie et tout ça, ça va un peu mieux. Donc on se voit la semaine pro, on va se programmer une nouvelle enquête, je pense vendredi prochain, je pense. Probablement. Et comme ça après je la montrerai, vous l'aurez disponible d'ici une dizaine de jours à peu près sur votre portail membre premium de la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal. Bref, tout à l'heure du coup j'ai rangé salon, salle à manger, cuisine, vidé la vaisselle, machin, j'ai préparé une omelette avec le reste de frites et tout pour les enfants, il restait des concombres en salade, il restait des betteraves, il restait des gâteaux apéritifs, il restait de la viande. Et du coup bah ils ont mangé tout ça. Laura et moi on n'a pas encore mangé, on va se faire une petite douzaine d'escargots là tous les deux. Les enfants en auront aussi, vous pensez bien. J'ai acheté 22 douzaines donc il y en aura assez. En fait à Noël on est 11. Du coup il y a déjà 11 douzaines qui partent à Noël. À Nouvel An on est 2, ça fait 12-13. 2 chacun, 14-15. Donc finalement il y aurait 7 pour la consommation perso, tu vois. Donc finalement bah je ferai quand Malone y reviendra, je referai une douzaine pour les enfants. Et tu vois la quantité qu'on est, ça part très très vite hein. Après, comme je disais hier, ouais, on en achète beaucoup, mais en même temps, on consomme pas de foie gras, parce qu'on n'aime pas. On consomme pas d'huîtres, parce qu'on n'aime pas non plus. Donc les trucs qui sont chers à Noël, en fait, on n'en mange pas forcément. Donc tu vois, finalement, bah nous, c'est les escargots, voilà. Nous, c'est les escargots, pendant que les autres, c'est des huîtres ou du foie gras, plus des escargots, machin. En plus, ça, c'est des escargots produit du terroir, quoi. C'est vraiment c'est un cultivateur qui fait ça et tout, c'est pas... Alors moi ça me dérange pas, j'aime bien ceux du Lidl, machin et tout ça, hein. Mais au niveau qualité gustative, on est quand même à un autre level avec ces escargots-là, tu vois. Donc c'est plutôt bien. Là, Sylvie et Cédric sont repartis tout à l'heure, du coup vers 17h, ils sont arrivés, ça y est. Oh. Et... Je suis fatigué. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, c'est bien. Je vous le clôturerai tout à l'heure avant de faire mon live, parce que là je fais mon live que dans 2h30, donc ça va. Semaine prochaine, alors du coup demain on est lundi, je ne vlog pas, donc c'est mon jour off. Je vais quand même tourner 2-3 facecam, tout de même. Et puis après, bah, je vais essayer de pas trop faire. Voilà, le live je vous le programmerai pour mardi, pas pour lundi. Et je vais essayer de pas trop faire demain, essayer de me reposer un petit peu. Malone n'a que 2 heures de cours. Demain, il a cours de 8h à 9h, il a 3h, de 8h à 10h, et de 16h à 17h. Il va chez son père demain, du coup, à partir de la fin des cours à 17h. Et du coup, j'ai proposé à Malone qu'il rentre à la maison, donc j'irai le chercher. De toute façon, je dois aller sur Saint-Dié vite fait demain matin. Donc, oui. Donc, allez chercher Malone à 10h, on rentre à la maison, il reste là toute la journée, il mange à midi ici. Et après, je le ramènerai pour son cours à 16h, donc vers 15h45, je le ramène au lycée. Et puis après, bah du coup, je rentre à la maison, et puis c'est la routine du soir et tout, et après, il va chez son père. Comme ça lui évite de rester au lycée de 10h à 16h, quoi. Ouais. Je dois retourner en haut avec Libby, je regarde avec elle. Bah, si elle veut bien. Elle veut. Bah, tu lui demandes. Libby regarde sa série dans la chambre, et puis elle regarde avec Léo. Et j'ai dit, moi j'ai dit, je veux pas voir les petits, donc Léo, Théo, Chloé, je veux pas les voir monter dans les chambres des ados ou monter en haut sans raison. C'est tout. Je veux pas de bordel dans le haut, dans leur chambre. Mais si c'est eux qui proposent, ok. Là, hier, c'était Théo et Malone qui faisaient des échecs. Enfin, Malone jouait aux échecs et Théo, il regardait sur l'ordi, et puis là, bah, c'est Libby qui regarde une série, puis elle regarde avec son frère, et du coup, Théo et Chloé regardent, eux, une autre série sur la télé du salon, tu vois. Alors, c'est vrai que du coup, ça les isole un petit peu, les ados, mais d'un autre côté, ils ont leur petit moment à eux. J'ai pris ma main pour savoir quand j'ai au lieu, parce que... Ouais, ça marche. Moi aussi, je t'aime. Et voilà, donc demain, ouais, ça va être jour off, alors je vais vraiment essayer de me reposer, parce que là, je commence à être légèrement à bout. Je le sens et je tends le dos, j'ai un petit peu peur de craquer. Je suis totalement honnête avec vous, alors je suis pas saoulé du boulot et tout ça, parce que un petit commentaire qui m'a fait un peu mal au cœur, quelqu'un qui a dit, on voit que t'as plus l'envie ou je sais plus quoi. Non, ça n'a rien à voir, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore vlogger, j'adore faire des facecams, des lives. Je kiffe ça, vraiment. Mais c'est juste que là, je suis fatigué. Dans la tête et physiquement, je suis vraiment épuisé, je crois que j'atteins un niveau rarement atteint. En fait, des fois, ça arrive, c'est ponctuel, un ou deux jours de grosse fatigue.
Ouais, mais là, ça va faire un mois que je suis vraiment à la ramasse totale. Je passe des très 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 mauvaises nuits. Je passe tellement de mauvaises nuits que je suis à deux doigts d'aller chez le médecin. Alors, pas pour prendre des médocs, des somnifères, des trucs comme ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, je suis pas pour ça. Mais peut-être pour essayer de trouver une solution, je sais pas. Au niveau du mal de tête persistant, je vais prendre rendez-vous chez un ophtalmo. Solora, elle a dit qu'elle voulait prendre rendez-vous pour tout le monde chez l'ophtalmo. Elle a dit, je vais prendre rendez-vous pour les enfants, nous, les adultes et tout, pour faire un petit check-up, un petit bilan. Alors, ce sera pas tout de suite, hein, vu les délais d'attente. Et si je dois porter des lunettes pour la fatigue, je porterai des lunettes. Mais pour moi, c'est pas les écrans, parce que, regardez, aujourd'hui, j'ai pas touché à l'ordinateur de la journée. Et pourtant, j'ai eu super mal à la tête. Donc pour moi, c'est pas les écrans, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et après, la fatigue, la nuit, c'est juste que bah, je fais pas de cauchemars. Je suis pas... j'ai pas mal au ventre. Ou... J'ai pas de trucs physiques qui m'empêchent de dormir. Si j'ai chaud, j'allume le ventilateur et c'est réglé, tu vois. Donc j'ai pas de trucs physiques, c'est juste que bah, je me réveille, je vais pisser. Je me réveille, je vais pisser. Je me réveille, je vais pisser. Je fais tout le temps pisser. Mais ça, c'est les médocs. Pour la tension, il me l'a dit, c'est un... Diurétique, c'est ça. Ça me donne envie de pisser tout le temps. Et pourtant, je le prends le matin. Hein. Je le prends le matin au réveil, hein, le médoc. Mais il agit toute la journée et la nuit. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, le fait que bah, je me réveille, je me retourne, je me réveille, je me retourne, je me réveille. En plus, je peux dormir que d'un côté. Donc j'ai mal aux épaules, j'ai mal à l'épaule au bout d'un moment. Je peux pas dormir sur le dos, c'est impossible. Sur le ventre, mais c'est le ventre côté, quoi. Donc je dois dormir sur le côté comme ça, là, tu vois, face à Laura. Et cette nuit, en fait, généralement, j'ai trouvé la solution. C'est quand je vois que je me réveille une fois, deux fois, en fait, je me lève. Et genre, je vais aux chiottes, après je vais un peu sur le PC. Et puis je vais fumer une cigarette, ou je bois un coup, machin, ou tu vois. J'essaie de me réveiller. Parce que j'ai absolument aucun mal à m'endormir. Là, clairement, je coupe la cam, je me mets comme ça, 30 secondes, je dors. Donc, quoi? Je voulais dire, j'ai tout préparé mes affaires dans le sac, j'ai tout rangé, comme ça, je suis tranquille demain. Ok, nickel, parfait. Et du coup, c'est... En fait, si je me réveille bien, après, je trouve que je me rendors et que je redors plus longtemps. Et l'autre soir, bah, l'autre nuit, bah, 4h du mat, je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, je suis allé sur le PC guigner un peu, mon jeu en ligne et tout ça. Je me suis recouché genre une demi-heure après et j'ai dormi jusqu'à 7h30. Quand le réveil a sonné 8h, je crois que c'était samedi, je sais plus. Donc j'essaie de faire ça, j'essaie de trouver des solutions, je sais pas. Mais du coup, ça m'épuise physiquement et puis dans la tête, franchement, entre. Voilà, il y a eu un mois de travaux, même plus. Les travaux, plus bah, la gestion des comptes et tout, hein, ça a coûté de l'argent aussi. On n'est pas dans le rouge ou quoi que ce soit, mais. Ça a coûté quand même pas mal d'argent, plus bah, YouTube, la gestion des vidéos, du planning, machin et tout, les fêtes qui arrivent aussi qu'il faut préparer, et des codes Noël, et puis bon, bah, ça va pas être une période simple non plus, donc on est très attentif aux enfants, à ce qu'ils pensent, à comment ils vont et tout, donc ça nous bloque beaucoup de d'énergie en fait dans la tête, je pense, et du coup, je pense que c'est ça qui nous fatigue un petit peu. Enfin bref, on verra. En tous les cas, là, demain, jour off, je vais essayer de me reposer. Ah ouais, grave. Bon, je vais redescendre, on va aller manger un morceau. Et puis après, je remonterai terminer ce vlog et puis faire mon live et tout ça. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Bon, les amis, je vais vous clôturer ce saint vlog. Il est actuellement 20h. J'avais promis à Libby Malone de faire une partie d'Overwatch avec eux. Du coup, bah, je vais la faire maintenant. Bah, Laura va pas tarder à monter aussi, elle est fatiguée. Elle fait 44h et la semaine prochaine, elle va faire une semaine à 50h avec les heures sup. Alors, certaines heures sup, c'est du volontariat. Comme, genre, commencer une demi-heure plus tôt et à midi, avoir une demi-heure de moins de pause. Par contre, l'heure de plus à 18h, normalement, c'était pas... Au début, ils voulaient le faire. Après, ils ont dit non, on le mettra pas en place et tout. Ça embête beaucoup de monde. Et finalement, ils ont pas eu le choix. Ils ont pas eu le choix avec tout le bordel. Le mois de décembre, c'est un mois très compliqué pour ce genre de bise. Les gens qui me disent, ah, elle travaille dans quoi? Je vous le dirai pas. Mais du coup, elle fait des heures sup et elle travaille aussi le samedi. Ça va lui faire une grosse semaine, et elle a dit, ça fait tout drôle, elle a dit, là, d'avoir 15 jours de repos, genre le dimanche. Je dis, oui, je sais. Après, encore, moi, je suis à la maison, c'est pas pareil, mais voilà. Donc là, ça fait une grosse semaine, donc elle va aller au lit maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais des bisous, je dis à très vite. Salut. Ah bah, je vous revois, du coup, mercredi, hein. Pas de vlog avant mercredi, parce que, du coup, demain, c'est lundi, je vlog pas. Donc, vous aurez un vlog lundi, mais pas mardi. Allez, salut.